menaces? Tu penses me faire peur avec ces deux autres à 20? Tu me connais mal, mon frère. D'un coup, tu te souviens que c'est un bon frère? Trois charmants. Qu'espères-tu y trouver? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste? Tu te prends pour un chien de chasse? Quelque chose comme ça. Comment cela va-t-il nous mener au meurtrier de Mirabeau? La piste s'arrête ici. En es-tu sûr? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Élise. Il faut que je le fasse seule. Je t'en prie. Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Va, Arnaud. T'en a fallu du temps, merdeux. Bellec? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau! C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres? Non. Massiaf, Monterrey Johnny, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Mais cette fois, on s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non, je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Bellec, tu sais que c'est impossible.
C'est bien dommage. Belek, je t'en prie, reviens avec moi au conseil, et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. T'es formé mieux que ça. Debout. Tu n'es qu'un pauvre merdeux sans cervelle. Oui, c'est ce qu'on dit. Je le fais, Belek. Mais je ne pense pas. Ouvre les yeux, petit. J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Je n'ai rien. Reste où tu es. J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille. Dis-moi, as-tu jamais cru au credo ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Belek. Tu ne me laisses pas le choix. Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis 2 siècles. Oh oui, tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ses cendres. C'est clair.
n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Belek. Tu me remercieras. Un jour. Tu aurais mieux fait de m'écouter. T'es laissé ta chance, merde. En un seul morceau, hein, merde. Te fais tomber ça. Eh bien. Que tu sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix.